J'ai mis en place cette année, là, cet été 2018, une plateforme de couverts végétaux avec un but très précis qui sera de voir un peu ce que ces couverts végétaux ont dans le ventre. I get the job done. If the rain is pouring, I get the job done. If I'm drunk and falling, I get the job done. Till the early morning. Je suis Anthony Frison, j'ai mis en place cette année, là, cet été 2018, une plateforme de couverts végétaux. C'est-à-dire que je suis parti de l'essai que j'avais mis en place l'an dernier, l'été dernier, un essai de couverts végétaux où j'avais testé 15 couverts différents. Et du coup, cette année, j'ai vu plus grand puisque je teste 38 espèces différentes avec un mélange qu'on répète plusieurs fois. On a l'objectif dans cet essai de tester justement qu'est-ce que va changer le couvert végétal dans la vie biologique du sol par des tests microbio, champignons, bactéries, des tests, donc des prélèvements de terre initiaux, puis des prélèvements de terre finaux, c'est-à-dire à semi plus 3 mois. Donc ça c'est une première phase, donc il y a des mesures de biomasse, des mesures de tests microbio, des mesures de valeur de prélèvement d'éléments nutritifs que vont mener les couverts végétaux, c'est-à-dire qu'on va être capable de quantifier réellement les prélèvements par les couverts végétaux des différents éléments nutritifs du sol. Souvent on va parler de l'azote, du phosphore et du potassium, mais là le but ça va être également de regarder les éléments secondaires, calcium, magnésium, soufre et les oligoéléments, fer, bor, sans oublier le manganèse, le cuivre, toutes ces choses-là. Et puis cet essai va se dérouler jusqu'à la récolte 2019, puisqu'on va implanter un blé en direct dedans et on va voir quel est le rendement du blé, comment il va être impacté par le couvert végétal qu'il y avait auparavant. C'est quelque chose qui va pouvoir être généralisable à tout le monde en soi. Et je pense que dans la décision, comme outil d'aide à la décision pour l'agriculteur dans la mise en place de ces couverts végétaux, ça peut être des choses hyper importantes à savoir. Aujourd'hui, je n'ai vu personne faire encore ce genre de test-là, surtout en agriculture de conservation, en semis direct, et le pousser comme moi j'entends le pousser par la suite.